C'est une grande première dans les sports équestres ici à la FECLA. C'est la première étape du premier championnat de France de ski joring. Slalom, vitesse et maniabilité sont au programme dans une discipline où les Rhône-Alpins sont les principaux promoteurs avec leurs voisins suisses de Saint-Moritz. Il faut beaucoup s'entraîner et il faut bien savoir skier aussi. Ça fait évoluer le monde équestre justement, puis ça fait voir autre chose, qu'on peut faire autre chose avec des chevaux. Que de monter dessus ou faire du saut d'obstacle, quoi. Allez, Mélanie, vas-y ! Il y a le slalom géant et le slalom spécial. Donc le slalom géant, c'est le cheval et le cavalier qui passent entre des portes de slalom. Et le slalom spécial, c'est le cheval en ligne droite le long de petits piquets et le skieur derrière qui fait le slalom. On attaque, hop, 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 on encourage ! Hop, 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 yeah ! Super ! Michel Iniger entre dans l'histoire du ski joring en remportant cette première étape du championnat de France. Des émotions à revivre le vendredi 5 mars dans notre magazine du cheval Equitasport. La finale du championnat se dispute les 20 et 21 mars aux Arcs.